Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Nous sommes au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a plus sa force, mais il doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes le sel de la terre. À qui s'adresse le Seigneur? Bien évidemment, à son Église. En venant au Seigneur, Adonai, le Créateur, nous a non seulement positionnés dans son royaume, parce qu'il nous a ressuscités et fait asseoir dans les lieux célestes, mais en même temps qu'il nous a donné cette position dans son royaume, il nous a aussi donné des fonctions. Il nous a confié une mission. Nous avons, nous, en tant que membres de l'assemblée de Yeshua, le Messie, peu importe nos origines, peu importe d'où l'on vient, ceux et celles qui ont confessé le Seigneur, qui confessent son nom, qu'ils soient juifs, hébreux, israélites, ou issus des nations, autre que Israël, Afrique, l'Asie, les Amériques, tous ces hommes, hommes et femmes, sont appelés à être le sel de la terre. Le Seigneur a bien précisé, le sel de la terre. C'est-à-dire que nous sommes appelés, nous, chrétiens, nous, disciples plutôt du Seigneur, à donner un avant-goût aux gens de ce monde qui sont dans la dépression à cause des problèmes, à cause de l'incertitude liée à leur vie, à leur avenir. Vous avez vu la sœur, elle a témoigné. Elle avait ce problème. Elle s'attendait à ce que l'on prie forcément pour elle. Mais elle a compris, elle a saisi cette parole qui dit que l'on n'a pas forcément, on n'a pas besoin d'un médiateur entre Elohim et nous. Oui, on peut s'encourager en tant que frère et sœur, mais il faut d'abord aller soi-même voir le Seigneur. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas eu besoin de payer pour avoir la solution, pour avoir cet enfant. Non. Et vis-à-vis des autorités, des médecins notamment, elle a été le sel de la terre. Et nous savons tous le rôle, nous connaissons le rôle du sel. On va trouver rapidement les rôles, parce qu'il y en a plusieurs du sel. À quoi sert le sel, par exemple? Donner du goût. Donner du goût, premièrement. Donner du goût. Arrêtons d'abord là, le goût. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans le monde, sur Terre, qui veulent se suicider, qui sont dans la dépression. Vous avez vu le nombre de personnes qui prennent des antidépresseurs? Imaginez ce que vivent beaucoup de familles en France, en Europe, dans le monde. Imaginez les témoignages des gens qui nous arrivent. Imaginez un enfant qui apprend que sa mère est malade et qu'il ne lui reste que 3 mois à vivre. Imaginez dans quel état cet enfant peut se retrouver. Imaginez une femme à qui l'on a dit « tu ne peux jamais avoir d'enfant ».
Imaginez une famille qui, n'est-ce pas, comme ce jeune homme, nous racontait comment des milices sont arrivées dans sa famille vers minuit et qu'ils ont, n'est-ce pas, coupé la tête de son père devant lui et qu'ils lui ont demandé de faire du foot avec. Imaginez ces chrétiens qui vont dans les assemblées aujourd'hui, qui sont violés, qui sont dépouillés en permanence. Imaginez ces personnes qui sont atteintes de diverses maladies, des maladies incurables. Il y a des gens qui sont dans la dépression. Il n'y a pas longtemps, hier je crois, il y a eu le procès de France Télécom, Orange. Parce que pendant des années, certains employés de cette société se suicidaient, se sont suicidés. À cause de quoi ? La pression. Et plus ça va, plus beaucoup de personnes subissent les différentes sortes de pressions. Et souvent parce qu'on est, on est oppressé, ben on va prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur nous, sur nos enfants, sur notre entourage. Et les humains sont de plus en plus oppressés, pressés. Et l'on peut se retrouver ici pendant la prière, alors que chacun de nous, n'est-ce pas, bien que l'on ait parfois un petit sourire, alors qu'au fond, on a des soucis, des problèmes qui n'ont pas de solution sur le plan humain, des gens qui sont comme, n'est-ce pas, poussés à leur retranchement, qui sont coincés, abattus. Voilà notre monde. Et beaucoup n'ont plus goût à la vie. Beaucoup se disent, autant mourir. On apprend des histoires des élèves de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans qui se suicident en France. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, ils subissent la pression, les moqueries d'autres élèves. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a des gens qui se disent, pourquoi ? Pourquoi sommes-nous nés ? Pourquoi suis-je là ? Pour mériter toutes ces choses. Combien ne sont-ils pas déçus ? Déçus des gens en qui ils avaient confiance. Et ils n'ont plus le goût de vivre. Vivre ne leur dit plus rien. Pour eux, la solution, c'est de mettre fin à leur jour. Il y en a qui ne veulent même plus sortir, tellement qu'ils sont angoissés. Il y en a qui boivent, qui se saoulent, d'autres se droguent. D'autres encore, ils vont se gaver, je ne sais pas de quoi. Mais ils veulent se réfugier, cacher leurs problèmes. Et il faut que ces gens, ces hommes et ces femmes qui se retrouvent dans cette situation puissent de nouveau avoir le goût de la vie. Mais la solution, quelle est la solution ? Qu'est-ce que le Créateur a prévu ? Lui qui est invisible, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a touché des hommes et des femmes comme toi, comme vous et moi. Et il nous a transformés en sel. Non sel de l'Église, mais de la terre. Pour ne pas que des chrétiens restent seulement entre eux, créant ainsi une secte, condamnant ceux qui ne sont pas encore en Christ. Parce qu'il y en a à qui l'on dit dans leurs assemblées, eh bien, votre papa est sorcier, il ne faut pas le fréquenter, il ne faut surtout pas le saluer. Mais comment voulez-vous que ces sorciers, tous ces sorciers puissent être touchés si on ne les approche pas ? C'est pour cela même dans les mariages, nous disons frères et sœurs, c'est entre vous et vos parents. Nous, on n'a pas à nous mêler dans ça. Non, chacun doit être à sa place. Attention, nous sommes appelés à donner du goût aux gens. Mais cette saveur, c'est quoi ? Cette saveur, écoutez bien, la saveur du sel, c'est quoi ? Ce n'est pas l'onction, le ministère, les miracles. Parce qu'à la fin, le Seigneur dira à beaucoup de ceux qui font des miracles, je ne vous ai pas connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le péché. La saveur du sel, c'est le cœur du Père.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un disciple de Yahushua, s'il organise une réunion, s'il organise une fête, les gens du monde qui viennent, ils doivent voir quelque chose de différent. Cette saveur, c'est l'amour, la grâce, comme Paulos disait, que votre parole soit accompagnée de sel, assaisonnée de sel. C'est fort. La grâce. Ce que les gens qui sont abattus veulent voir quand ils nous approchent, c'est la simplicité, c'est l'amour, de l'attention. Qu'on ne les juge pas par rapport à ce qu'ils sont extérieurement. Qu'on ne les juge pas par rapport à leurs origines. Non. Car le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Mais beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ah non, mais celui-là, il n'est pas proche du frère Chora, mais on ne va pas lui parler. Voilà les idolâtres. L'orgueil. Celle-là, elle chante, elle ne chante pas, mais on ne va pas l'approcher. Une sœur nous racontait comment elle est partie une fois à l'assemblée, dans une assemblée. Elle a vu que beaucoup de dirigeants et leurs femmes s'asseyaient au fond de la salle. Elle s'est dit, ben moi je vais m'asseoir aussi à côté. Elle est allée s'asseoir là, ben les gens la regardaient bizarrement en disant, non, non, toi, moi t'asseoir devant. Vous vous rendez compte? Donc il y a des places réservées à une élite. C'est quoi cette affaire? Vous voyez comment beaucoup de gens ne veulent plus aller dans les assemblées? Parce qu'ils ne trouvent pas le sel. Le sel. Ce sont les gens du monde, pas les croyants. Ce sont les gens du monde, quand ils ont vu les premiers disciples de Yahushua, ce sont eux à Antioche qui ont dit, ils sont les disciples de leur maître, chrétiens. Ce sont les mondains, le sel de la terre. Tu es marié, ma sœur, ton mari n'est pas converti, mais tu dois te comporter d'une manière biblique, afin que cet homme, comme Pierre le dit dans 1 Pierre 3, les femmes dont les maris ne sont pas convertis et qui n'arrivent pas à les gagner par la parole, elles peuvent les gagner par leur comportement. Quand ils verront votre manière de vivre qui est sainte. Mais comment veux-tu que les gens du monde soient touchés? Comment veux-tu être le sel de la terre si tu t'habilles comme les gens du monde? Si tu veux agir, te comporter comme ceux du monde? Les gens du monde, quand ils font leur publicité, on voit leurs photographies partout. C'est eux que l'on voit. Et encore, il y en a qui sont très simples, très discrets. Même parmi des musiciens mondains, profanes, il y en a qui sont tellement simples qu'on ne voit même pas leur visage. Mais ceux qui se disent chrétiens, il n'y a qu'à voir comment ces gens sont devenus des stars. Leurs photographies partout. Le sel de la terre. Cette saveur, je disais, c'est là, c'est le caractère du Messie. Le cœur d'Elohim, du Créateur, l'amour, la simplicité, la sanctification, la sainteté, la paix, la joie, la bonté. Comment veux-tu qu'un couple païen soit touché si toi qui es chrétien, chrétienne, dans ton foyer, il y a des problèmes? Où est le témoignage? Parce que ça doit commencer chez nous. Vous êtes le sel de la terre. Il n'y a qu'à voir tous les scandales dans les assemblées aujourd'hui. Le sel, avec sa saveur, donne du goût, du goût, du goût. Aujourd'hui, beaucoup n'ont plus goût. Ce goût-là d'aller à la prière, à l'assemblée locale. Beaucoup ont perdu ce goût-là. Quand on dit assemblée, allons prier. Oh, avec ce qui se passe dans les églises, non, moi, j'ai... Vrai ou faux? On a peur. On a peur. Des jeunes femmes sont courtisées dans les assemblées par les prédicateurs, ça couche avec. Les gens ont peur.
Des hommes ont peur de laisser leur femme aller prier. La saveur. Beaucoup l'ont perdue. La saveur. Et quelqu'un disait, le sel, à part le goût qu'il apporte, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Eh bien, le sel aussi est utilisé pour conserver. À l'époque, il n'y avait pas de frigo, tout ça, de réfrigérateur. Ben, on s'en servait pour conserver la nourriture. De la pourriture. La pourriture, c'est le péché, le péché, le péché. Vous savez que dans les Écritures, le Seigneur disait que toutes les offrandes qui étaient apportées devaient être accompagnées du sel. Du sel. Je vois des prédicateurs qui envoient aux gens des images sales. Ça va sur YouTube, ça prend les images sales et ça envoie ça aux frères et sœurs. Mais c'est dans quel but? Vous souillez le regard des gens, les oreilles des gens avec la saleté. Ça, ce n'est pas du sel, la saveur. Non. Jouer de la guitare, c'est bien. Du piano, c'est bien. Mais donner du goût, donner le goût du ciel aux gens, c'est une bonne chose, c'est mieux. Par notre vie, avant même de parler. Vous savez, un vrai prédicateur, avant même qu'il ne prêche, quand les gens l'approchent, les gens doivent se dire, on ne connaît pas cette personne, mais on sent en l'approchant qu'elle vit, qu'elle dégage, qu'elle, il y a quelque chose qu'il a, cet homme, cette femme, que nous on aimerait avoir, qu'on n'a pas. Je disais à un frère, quand Paulos disait aux gens, imitez-moi, comme moi-même j'imite le Seigneur, il ne parlait pas de son onction apostolique, il ne parlait pas des miracles, il parlait de la vie de Yehoshua en lui. La vie. Le sel de la terre. Vous savez, si vous dégagez de la saveur, ce sont les gens qui viendront. Vous-même, vous allez vous cacher. Ce sont les gens qui vous chercheront. Je vous assure. Ils vous chercheront eux-mêmes. Ils chercheront là où vous êtes. Vous avez vu comment les gens cherchaient le Seigneur? Ils se cachaient. Celui qui a le sel ne va pas se vanter. Non. Le sel se cache. Le Seigneur se cachait. La parole nous dit dans Marc chapitre 2, les gens ont appris que le Seigneur était à la maison. Et il s'assembla une si grande foule de gens que l'espace devant la porte d'entrée était devenu trop étroit. Et Yeshua se cachait. Et nous, on a vu chez nous des prédicateurs dire, ah, ça c'est mon petit. Ça, ce n'est pas un langage assaisonné du sel. Non. Parce que ton petit là, le Seigneur dit, il faut, tu es à son service. Que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. On a pris le langage de la cité, on a amené ça dans l'œuvre. Le sel. Celui qui est le sel de la terre ne va jamais toucher une femme que la sienne. Jamais. Il ne va jamais toucher une autre femme. Même si ça bouillonne dans son cœur, il va se cacher et prier. Le sel. La terre tremble. La terre pleure. Chacun de nous a des problèmes dans nos familles là. Chaque famille a des soucis. Chaque famille. Nos voisins. Vous vous rendez compte? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes disciple de Yehoshua. Et sur votre permis, sur les 12 points, il ne vous reste juste un point. Mais où est la saveur que vous êtes censé avoir? Parce que c'est la terre qui approuve, qui atteste que nous sommes le sel.
Ce n'est pas l'église. Parce que dans nos églises, il y a souvent des hypocrites, des gens qui jouent un rôle. Parce que vous parlez en langue, les gens vont dire qu'il est chrétien. Parce que vous intercédez, vous priez, les gens tombent sous l'onction, on dit ça y est, il est converti. Mais c'est le monde qui atteste que nous sommes véritablement convertis ou pas. On a connu des missionnaires chez nous, tu les envoies en mission, ils partent sur la route, eh ben, ils se font flasher, ils reviennent flasher, ils se garent là-bas, là où ils sont partis, eh ben, ils ont des amendes, ils reviennent, ben, ils ont 400 euros d'amende. Vous vous rendez compte? C'est quoi le témoignage? Le sel, c'est le témoignage. Le maître a dit, vous serez mes témoins. Mes témoins. Il n'a pas dit témoins de l'église catholique ou témoins de Shiora, mes témoins. Il y en a qui allaient prêcher dans les trains, crier dans les trains, repentez-vous, repentez-vous, c'est bien. Mais c'est quoi le témoignage là? Tu montes dans le train où il y a des inconvertis, pour la plupart, tu ne sais même pas dire bonjour, messieurs, dames, excusez-moi si je vous embête, je voudrais vous parler de quelqu'un, une manière de parler. Vous parlez mal, vous donnez un mauvais témoignage du Seigneur, vous n'êtes pas le sel de la terre et les gens bouchent les oreilles, vous dites non, ils sont incrédules. Alors c'est vous le problème. Alléluia. Amen. Si le sel perd sa saveur, comment faire pour, n'est-ce pas, de nouveau le saler? Comment faire? Vous savez, on allait en mission avec des frères et sœurs. On est parti à Brazzaville, on était une centaine. Je dis aux frères et sœurs, après toutes ces missions, le Seigneur me dit, regarde le comportement de ces missionnaires-là. Je dis, c'est fini, je ne pars plus avec tout ce monde-là, c'est fini. C'est la mission-là, seule. Deux ou trois personnes, fini, fini. Le comportement des gens. On arrive à la mission dans un pays étranger où les gens attendent que ces différents sels-là viennent pour les aider. Mais tu vois, tu dis, mais attends, il n'y a même pas la simplicité. Il y en a qui ne peuvent même pas prendre un taxi. Vous ne pouvez pas boire de l'eau. Vous voulez boire quoi? Vous voulez manger comment? Le sel de la terre? Il y en a qui se plaignaient parce que le matin, ils n'avaient pas le petit déjeuner. Oh non, mais en France, ce n'est pas comme ça. Mais si tu penses qu'en France, ce n'est pas comme ça, ben reste en France. Le sel de la terre, le comportement. Apprendre à dire bonjour aux gens quand on se voit ici. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Non, pourtant tu chantes, tu joues au piano et tu passes devant les gens sans dire bonjour. Ils te voient aller jouer au piano, ils disent, il est passé devant moi sans me dire bonjour. Mais comment il peut jouer que moi je chante? Ça commence par bonjour. Le Seigneur a dit, quand vous entrerez chez les gens, commencez par, si quelqu'un là-bas, un enfant de la paix, dites que la paix soit avec vous. Bonjour, shalom. Donc, étant donné que nous sommes le seul de la terre, quand on viole une femme, vous voulez que je me taise? C'est pas possible. J'ai pas besoin que quelqu'un de ma famille seulement soit violé pour pouvoir parler. Mais tout être humain, d'où qu'il vienne, est mon prochain. Alléluia. Le comportement. Je crois que le Seigneur est en train de plus en plus nous enseigner sur le comportement, la vie du Mashiach. C'est pour cela que quand on m'invite ici dans les assemblées, je ne veux pas forcément qu'on fasse des affiches, on arrive dans tel... Non, une église locale m'invite, je veux venir sans pub pour voir la réalité de l'église locale, le sel de la terre. Une femme du Seigneur qui s'habille sexy. Mais tu fais fuir les, mais tu fais tomber les hommes, t'es plus le sel de la terre. Un homme, pareil, frère, sœur. La terre va mal, très mal. Et nous avons été établis pour être dans le monde. Le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. L'Église est établie parmi les loups. Or, beaucoup de chrétiens veulent rester seulement entre chrétiens. Voilà.
Et vous avez des enseignements sur le combat spirituel poussé à l'extrême, au point où des gens, on leur dit, il ne faut pas saluer votre mère qui est sorcière, surtout pas. Surtout pas. Ah, mais si ma maman est sorcière, c'est une occasion justement pour que j'aille chez elle. Elle fait à manger, je prie, je bénis cette nourriture-là, je la mange. Parce que quand j'étais dans son ventre, ce qu'elle mangeait, là, je mangeais ça. Ça ne m'a pas tué. Maintenant, je suis devenu enfant d'Elohim. On va commencer, je vais commencer à trembler parce qu'on me dit, les sorciers sont dangereux. Quand les gens nous regardent, ils doivent se dire, on voit le Seigneur, la discipline, le sérieux. Ah oui. Hier, quand on m'insultait sur Internet, vous avez vu, je répondais. Hein. Il fallait que je meure encore un peu plus. Il continuait à me tuer, le Seigneur. On m'attaquait, je faisais une émission. Maintenant, quand les caniches m'attaquent, eh bien, j'avance. Le sel de la terre. Parce que quand les caniches ont attaqué le Seigneur, il a parlé. Quand on l'accusait faussement, il a répondu. Donc quand on t'accuse maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer. Vrai ou faux? Le sel de la... Alors je veux dire à quelqu'un, pour que le sel prenne toute sa, n'est-ce pas, signification, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre dans de l'eau, dans de la nourriture. Vrai ou faux? Il faut qu'il soit dissous. Donc, pour que ton vrai toi soit dévoilé, ce qu'il y a dans ton cœur, il faut que tu passes par le feu. Parce que un repas, quand vous mangez un repas, est-ce que vous trouvez de morceaux de sel dedans? C'est dissous, vrai ou faux? Donc, pour que la nourriture soit salée, il faut que le sel meure, disparaisse. Or, les bishops d'aujourd'hui ne disparaissent pas. Ils sont là, on les voit eux. Moi. Sur Facebook, on voit leurs photos, tout ça. Quelques Africains aiment décaper la peau, tout ça, la produit, tout ça, la machin. Ça éclaircit la peau, ça devient des métis. Métis, après, ça devient blanc. Vous voulez que je parle? Ils ne disparaissent, mais quelqu'un a dit qu'ils croissent et que je diminue. Le sel doit dire disparaisse. Vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de goût dans nos pays? Parce que les églises ne veulent pas disparaître. Les chantres ne veulent pas disparaître. Parfois, je vais sur Internet, je regarde un peu. Hein, la chrétienté actuelle, je vois des bishops, des chantres, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bien gras. Photos bien sapées, tout ça, machin sur Facebook, des posters, je dis, mais ah! Le modèle parfait, il y a un choix, on ne le voit pas. Il a tout créé, mais on ne le voit hein? Pas. Au point où même certains disent qu'il n'existait pas. Mais jamais il dit aux gens, hey, c'est moi qui vous ai créé. Et aujourd'hui, quelqu'un écrit un livre, vous allez voir sa photo partout. Dédicace en plus. Les gens font la queue. On dit, l'homme de Dieu va dédicacer son livre, hein, 50 euros. On vend ça parfois aux enchères. Oh, église. Vous voulez que je parle? Si vous prenez un repas, et que si vous mangez un repas, il y a du sel dedans, du morceau, là, vous allez faire quoi? Ça craque. Ah, c'est pas moi, il y a beaucoup de... Vrai ou faux? Il faut que tout parte là. Vous salez un peu là, vous tournez tant, jusqu'à ce que ça disparaisse. Et là, quand on va manger la nourriture là, on va dire, c'est bien salé, c'est magnifique ça. La force dans le royaume du Seigneur ne vient pas hein, de manière à frapper le regard. C'est pas en te voyant comme ça, c'est au travers des œuvres. Quand les gens vont manger la nourriture là, c'est bien salé. On me dit, mais le sel est passé par là. Mais on ne sait pas si c'est de gros sel ou c'est des... Mais on sait seulement que la nourriture est salée. Vous comprenez, non? Donc, voilà pourquoi le Seigneur, maintenant, pour que ta saveur devienne évidente, il faut que tu meurs, il faut que je meure. Ça fait mal, hein? On ne veut pas mourir. Le Seigneur est celui qui fait le repas. Vous voyez? Maintenant, il veut saler. Le repas, c'est la terre, là.
C'est-à-dire qu'il y a des gens, des inconvertis qui sont dans cette marmite du Seigneur. La terre, c'est comme une marmite. Maintenant, eux, là, c'est comme, ils sont comme de la viande. Maintenant, le Seigneur dit quoi? Bon, cette marmite, la terre, avec toute cette viande-là, il faut du sel. Il est descendu. Il a pris quelques personnes. Il les a transformées en sel. Maintenant, il te prend, il te met dans cette marmite-là. Voilà pourquoi il ne t'a pas retiré depuis ta conversion. Il aurait pu te prendre pour aller au ciel. Même si tu demandes à partir, tu ne partiras pas. Ta mission n'est pas encore finie. Moi, quand les gens me disent, frère, j'ai vu une vision, Dieu t'a enlevé. Je dis non, je suis encore là. Mes enfants sont petits, je veux partir où? Je n'ai pas encore eu mes couronnes, je veux partir où? Pour prendre ma place, il n'y a pas de place à prendre ici, frère. Fini l'époque de Moïse et Josué. Alléluia! Vous voulez que je parle? Il n'y a pas d'Élisée et Élie. Il a fini ça, frère. Nous avons tous le Saint-Esprit, tous les croyants. En Yeshua. Donc si tu attends ma place, moi je n'ai pas de place ici ou un trône, tout ça, où je me bats, toi tu... Non. Donc il te prend, il te met dans cette marmite. Maintenant, il tourne le sel que tu es. Il faut que tu meurs. Tu sois dissous. On résiste. Ah non. Il permet à quelqu'un qui te critique. Toi tu es là. Non, moi on ne me parle pas comme ça. Ah non, 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 quand même, dans le monde. Je me dis, oui, dans le monde. Oui, mais quand j'étais, oui, tu dis, quand j'étais, maintenant tu es. Et tu seras différent. Qui lutte un tout petit peu? Qui a du mal un peu à se dissoudre, à laisser le Seigneur? Mais pratiquement tout le monde. Hein. Vrai ou faux? Alors il te met dans cette nourriture-là. Il y en a leur marmite, là, c'est leur famille. Il t'a pris, il t'a mis dans une famille compliquée. Ça, c'est ta marmite. Avec un père bizarre, une mère compliquée, des frères et sœurs bizarroïdes. Il te prend, il te met là-dedans. À part ta famille, il y a aussi notre marmite. Ton voisinage, ton quartier, ta ville, ton pays, le continent, la terre. Tu vas aller où maintenant là? Quelqu'un a dit, si je monte là-haut, tu es. Je descends. La preuve, il y en a ici, il se disait, là-bas, je n'irai jamais. Tu es venu. Tu vois, non? Ce n'est pas toi qui décide. Je parle à quelqu'un ici. Ce n'est pas toi. Il y en a qui ont dit, non, moi, les chrétiens, je ne veux plus les voir. Mais te voilà en train de saluer tout le monde. Bonjour, frères et sœurs. Il y en a qui ont dit, mon mari, je ne veux plus lui parler. Et le lendemain, bien travaillé, bien dissous, tout ça là, et tu es en train de faire à manger pour ton mari, chérie. Toi-même, tu dis, je ne me reconnais plus. C'est-à-dire, il arrache toutes les dents que tu avais là. Les dents, tac, les canines, tac, tout. Les ongles, tout. Vrai ou faux, avant ta conversion, tu mettais des ongles bizarres, comme ça là. Comme des machins de... Vous voyez? Des griffes là. Vrai ou faux? Il y en a, c'était maquillage comme pas possible. Qui n'avait pas les sourcils, là, tout ça. Il fallait tailler ça bien comme il faut. Autoroute, l'autoroute A, autoroute B, tout ça, machin. Le Seigneur, il nous taille. Qui a l'impression que le Seigneur le taille? Soyons sincères. Tu as dit, qui n'a jamais dit, moi, je ne veux plus chanter. Moi, c'est fini, le Seigneur, c'est fini, les gens sont méchants. Et te voilà dans la cuisine, sous la douche. Alléluia, amen, alléluia. Oh. T'as pas le choix, tu es le sel de la terre, t'as pas le choix. Je suis convaincu, je parle à quelqu'un ici. Alléluia! Ton mari, là, même si tu ne le veux pas, c'est ton mari. Quand tu as posé la question, là, pour le pire ou pour le meilleur, vrai ou faux, dis oui! Ça a été enregistré là-haut, vrai ou faux! T'as pas le choix. On va parler, parce que, vous savez, nous, on n'est pas là pour vous caresser. Hein. Moi-même, la personne me caresse. Le Seigneur, là, je vous dis, hein. Parfois, il y a des gens qui me critiquent. Je dis, mais celui-là, quand j'étais, j'allais prendre deux ou trois potes, on allait descendre chez lui. Parce que c'est un pleutre. Mais tu le vois, un pleutre, il est faible, il est fatigué comme ça, tout mou. Mais il se permet de te critiquer. En plus, il dit des choses fausses. Tu dis, mais je pouvais débarquer chez lui, celui-là. Le Seigneur dit, non, c'est pas la cité. Hein. Calme-toi. On vient t'attaquer, là, tu t'enfermes. Hein. On était à 20 ce jour-là. Hein. Ils étaient à 4, on aurait pu les battre. Ça dit, cache-toi. Et on te critique sur internet, oh, pleutre, tu les as cachés. C'est ça. Le créateur, on lui a donné des gifles.
il ne parlait pas. C'est dur, hein? Soyons sincères. La chair, la haïe. Ah! Quelqu'un fait une vidéo contre toi. Mais toi, il y a la chaîne de télé qui suit pas des millions de gens aujourd'hui. Et tu as des frères et sœurs qui peuvent faire des vidéos. Si tu dis seulement, allons-y, faisons des vidéos, la personne va se suicider. Elle va tomber dans la dépression. Mais tu dis non, ces outils-là ne sont pas pour détruire. On te critique, tu dis, donne encore le dos. Vous savez ce que ça fait? Il faut que tu sois dissous. Hein? Démembré. Que tu n'existes plus. Si je vous dis que c'est facile, c'est faux. Je vous dis. Parfois, tu as les preuves pour dénoncer les gens. Tu as les preuves. C'est là. Je dis, laisse ça de côté. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Hein? Ah, ah. Tu sens que quelqu'un te dit, vas-y, Chora, bon, fonce. Et tu as des frères et sœurs qui sont encore charnels qui disent, on y va. Ah non. Il dit, allez, papa, on y va là. On achève la personne. Non, 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 non. Et une fois que tu as gagné cette bataille-là, tu sens dans ton esprit que le Seigneur est content. Tu plies les genoux du Seigneur. Oh, merci. Il y a une victoire qui a été remportée, frères et sœurs. Alléluia! Ah, on peut l'acclamer, mes amis, là. On peut l'acclamer, il mérite la gloire. Et tu ne deviendras le seul de la terre que par la souffrance, par les pleurs, par les attaques, par les critiques. On va t'accuser faussement. On va te prêter des intentions. On va te traiter de tous les noms. Moi, je m'inquiétais, je me disais, mais tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est du mensonge. Mais frère, Seigneur, mais tes enfants, ils vont entendre ça, ils vont commencer à les soutenir. Ils disent, non, c'est moi qui révèle les choses cachées aux gens. Je connais mon peuple. Je parle à mes enfants. Et Dieu donne le Seigneur donne des songes à ses enfants pendant leur sommeil. Hein, il donne des songes. Il dit, ça, c'est mon serviteur. Ça, c'est ma servante. Frères et sœurs, laissons le Seigneur. Laissez le Seigneur vous justifier. Ils vous feront la guerre, mais ne pourront pas vous détruire, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Oh, je sens que le 27, on va encore ensemble adorer, louer, magnifier celui qui mérite la louange, la gloire, la majesté, frères et sœurs. Alléluia. Waouh. Tu sais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu souffres? Pourquoi beaucoup de gens se lèvent contre toi? Parce que tu es le sel de la terre. Tu ne vas pas mourir pour l'instant, tu n'as pas encore fini la mission. Même si tu es cloué au lit, tu ne mourras pas encore. Ta mission n'est pas encore achevée. Il faut que les gens du monde te goûtent. Il faut qu'ils te goûtent. Mouah, c'est bon. Et quand ils vont dire ça, c'est pas moi. C'est celui qui est à moi. Il est tellement beau. Oh, si vous voyez ses yeux. Yeshua, sa démarche. Hein? Il ne peut pas traverser une ville sans que des maris de Magdala soient à genoux devant lui. Tellement quand il parle, c'est la bonté, c'est la douceur, la joie de l'esprit. Oh, alléluia. Tu vas aller où? Pour finir, là, tu vas aller où? Le Seigneur dit à quelqu'un, tu vas aller où? Tu veux aller où? Tu es ma prisonnière. Tu es mon prisonnier. Tu vas aller où? Tu es lié à ma parole. Lié à la prophétie que je t'ai donnée. Tu es lié à la vision que je t'ai donnée quand tu dormais. Tu es lié à la parole que tu as reçue quand tu t'es converti. Tu es lié à l'appel que j'ai mis sur ta vie. Depuis l'éternité passée, j'ai mis ma main sur ta vie. Je t'ai créé pour ma gloire. Je t'ai envoyé sur terre pour accomplir ma mission. Et je veux qu'au travers de toi, des couples soient restaurés. Voilà pourquoi tu dois remporter la victoire sur ton couple par rapport aux démons de divorce. Je veux te faire remporter la victoire pour que ma gloire se manifeste. Jesus Christ. Alléluia. Ta souffrance, c'est fait exprès. C'est pour que des millions de gens soient touchés. C'est pour que des familles soient libérées. C'est pour que des femmes soient libérées. C'est pour que des vies soient changées. Voilà pourquoi tu es dans le laboratoire du Seigneur. Tu es en train d'être façonné par le Seigneur de gloire. Tu dois passer par ce feu. Parce que le vase, tu dois être ce vase-là qui va porter le feu. Le feu du réveil. Tu dois passer par les mains du Seigneur. Tu passes par les mains du potier, jeune fille. Les mains du potier. Tu passes par là.
Il te sanctifie lui-même. Il te purifie lui-même. Il te met à part. Il est en train de te monder. Il est en train de te séparer d'avec la mauvaise compagnie. Il est en train de te mettre à part pour lui et pour lui seul. Tu payes le prix pour plusieurs générations. Tu dois le comprendre. À cause des combats, tu ne dois pas prendre des décisions sans consulter le Seigneur. Tu ne dois pas prendre des décisions sans demander la volonté du Seigneur. Tu ne dois pas prendre des décisions parce que tu écoutes les gens. Tu dois rester dans le repos, dans le silence et laisser l'esprit d'Elohim toucher, convaincre. Il a commencé une œuvre avec toi, non? Il veut l'achever. Dans tes épreuves, tu as beaucoup parlé. Dans tes combats, tu t'es beaucoup justifié. Tu dois laisser l'Esprit du Seigneur maintenant te justifier. Tu dois laisser l'Esprit du Seigneur parler de toi aux gens. Tu dois laisser l'Esprit du Seigneur convaincre les cœurs. Tu dois laisser l'Esprit du Seigneur parler de ce qu'il a mis en toi là. Tout ça au nom de Yeshua. Voilà pourquoi il t'a attiré encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà la parole que tu attendais, jeune femme, jeune fille. Voilà le message dont tu as besoin pour changer ta vision. Le Seigneur veut révolutionner ta manière de prier, ta consécration. Il veut révolutionner ta relation avec lui, l'intimité avec lui. Il veut toucher ta famille. Voilà pourquoi il passe par toi, pour te façonner. Tu dois être façonné, femme. Tu dois être façonné. Le maître est là. Le maître est là. Jesus Christ. Oh, sa gloire est là, vous voyez. Sa puissance glorieuse. Le Mashiach. Oh Père, porte et levez vos linteaux que le roi de gloire fasse son entrée. Il t'a donné des chants nouveaux. Il t'a donné beaucoup de chants. Il te donne beaucoup de chants. Ce n'est pas en vain. Le Seigneur te façonne encore. Il change ton caractère. Il est en train de te purifier. Ne t'arrête pas sur les gens qui parlent. Tu dois plutôt dire, Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Je veux laisser ton esprit me façonner. Tu ne dois plus résister à l'Esprit du Seigneur pour ne pas être cassé, brisé. Laisse le Seigneur t'enseigner, t'amener là où il veut t'amener. Laisse l'Esprit d'Elohim te conduire de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il y a des victoires que tu dois remporter, te dit le Seigneur, parce que tu es ma soldate, parce que tu es mon soldat, parce que tu es mon guerrier, parce que tu es ma guerrière. Il y a des victoires que tu dois remporter. Dans le royaume, des victoires. Car l'année qui commence est une nouvelle année pour toi. Une année où tu vas vivre le cœur du Père, la gloire du Père par rapport à ton caractère. Oh, alléluia. Oh, holy God. Père, merci. Tu dois arrêter de lutter avec l'esprit. Ne lutte plus. Tu n'es pas fort, plus fort que l'esprit du maître. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est lui qui décide la forme qu'il veut te donner. La forme qu'il veut te donner. Et aujourd'hui, il est en train de libérer quelqu'un de la mort. La puissance de la mort est en train d'être brisée maintenant dans ta vie, dans ta famille. Que cette chaîne soit brisée, que tu sortes des ténèbres, que la puissance de la maladie soit brisée dans ta famille, dans ta vie, au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Père, merci. 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 Père, quel que soit ce que tu fais en ce temps de grâce, ne le fais pas sans moi. Seigneur, merci pour cette femme. Restaure ses organes. Père. Le Seigneur essuie tes larmes.
Waouh. Que la mort s'en aille. Au nom de Yahushua. Quelqu'un ici est totalement attaché, totalement lié, ligoté par l'ennemi. Que le Seigneur a franchi. Que le Seigneur libère. L'odeur de la mort est retirée. Le Seigneur te purifie maintenant même au nom de Yahushua. Oh Père, merci. La mort s'en va. La mort s'en va. La condamnation est brisée au nom de Yahushua. Maintenant. Maintenant. Quelqu'un est libéré d'un esprit de mari de nuit. Le mari de nuit s'en va de ta famille, de ta vie. Maintenant, au nom de Yahushua. Que la mort s'en aille au nom de Yahushua. Père, merci. Oh Seigneur. Oh. Magnifique Seigneur. Waouh. Le Seigneur voit. Waouh. Le Seigneur voit. Waouh. Et une œuvre que le Seigneur a commencé dans votre famille qui va achever parfaitement. Le Seigneur va de plus en plus se servir de ta langue pour prophétiser. Il va te montrer beaucoup de choses dans la famille, des choses qui vont t'étonner. On a dit Yahushua. Oh, magnifique Seigneur. Magnifique Papa. Il y a une femme qui a une hémorragie. Tu as beaucoup d'écoulements de sang. Viens, on va prier. Le Seigneur veut te libérer, te restaurer, te guérir au nom de Yahushua. Père, merci. Depuis quand tu souffres de ça? Depuis l'année passée. Tu as vu des médecins? Oui. Ils ont dit quoi? J'ai des fibromes. Vous pensez que le Seigneur peut la guérir? Ah oui. Peut la soigner au nom de Yahushua. Fini. Oh, c'est réglé. Magnifique Seigneur. Quelqu'un porte une ceinture pour son dos que le Seigneur veut aussi soigner, restaurer, guérir au nom de Yahushua. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Magnifique Seigneur. Le Seigneur veut restaurer ce dos. Le Seigneur veut guérir ce dos. Le Seigneur veut restaurer ta vie au nom de Yahushua. Père, merci. C'est un frère qui nous suit, qui a cette ceinture-là depuis longtemps. Tu peux toucher ton dos et retirer cette ceinture et nous appeler si tu le souhaites au nom de Yahushua pour donner gloire au Seigneur. Quelqu'un souffre beaucoup de l'estomac. Quelqu'un souffre beaucoup d'estomac. Oui, mon frère, viens. Il y a une personne qui a vu un dentiste il n'y a pas longtemps. Et voilà, ta dentition est vraiment abîmée, catastrophique, tout ça. Et tu es angoissé. Je vais prier pour toi aussi. On va prier pour toi, on a dit Yahushua. Depuis quand tu souffres de cette maladie? Ça fait presque 4 mois. 4 mois. Vous pensez que le Seigneur peut... Ah oui. Alléluia, Seigneur, merci. Oh. C'est réglé. Alléluia. Merci, Seigneur. Ça va? 10. Combien de temps? La semaine dernière. Alors? Bon, il m'a dit, il y a beaucoup de travail, mais ça coûte cher. Vous pensez que le Seigneur peut lui donner une dentition, de nouvelles dents? Oh, ouais, le Seigneur peut. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Tu es arrivé quand? Je suis arrivé le 9 décembre. Wow. Gloire au Seigneur. Qui, seul ou avec des frères et soeurs? Je suis arrivé seul. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Oh, quelqu'un ici prie pour son fils. Quelqu'un ici. Viens. Cet enfant-là, viens aussi. Il est baptisé, Non? Il a quel âge? 31 ans. Ok.
Il va servir le Seigneur au nom d'Yeshua. C'est un pasteur. L'ennemi le combat parce qu'il connaît l'appel que le Seigneur a mis sur sa vie. Et le Seigneur dit, comme Anne qui priait pour Samuel, son fils, le Seigneur a entendu ta prière, ma sœur, au nom d'Yeshua. Il va le visiter et tu ne vas plus le reconnaître. La puissance du Seigneur, la restauration, la délivrance, la guérison, tout ça là, c'est acté, c'est accompli, c'est ok, tout est accompli. Au nom d'Yeshua. Oh, magnifique Seigneur, c'est bon, c'est réglé. Il a quel âge? 15 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du foot, tu fais quoi? Il fait aucun sport, mais... Il est là? Non, il n'a pas voulu venir. Ah ben, c'est parfait, c'est réglé. Oh, elle est là, une onction sur elle. Oh, c'était d'abord ici, j'arrive. Alléluia. Ça va aller pour le même fils là? Oh, c'est, t'inquiète pas. C'est bon. Oui. C'est bon. Ça va aller. Ça va toi, mon grand? Viens, viens, viens. Tu as quel âge? Moi, ouais, j'ai 13 ans. 13 ans. Waouh. Bien ça. Tu aimes le Seigneur? Tu aimes le Seigneur? Oui, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup? Tu es baptisé? Oui, oui. Bien ça. Il n'est pas encore baptisé. Maman dit que tu n'es pas encore baptisé. Catholique. C'est dans l'eau qu'il faut prendre le baptême. On doit te plonger dans l'eau. Tu vois, non? Tu fais du sport? Oui, oui. Tu fais quoi? Je fais du basket. Oh, c'est bien, ça a été grand. Hein? Ouais. Bienvenue. Alléluia. Merci, Seigneur. Ça va aller. Gloire au Seigneur. Oui. Ah, ben, c'est réglé. Ah, ouais, c'est réglé. C'était ici que le Seigneur voulait bénir. Et ça, mais les autres, c'est réglé déjà, vous inquiétez pas. Alléluia. Oui, frère. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je m'allais dire de me lever pour mon fils. Ah, ben, c'est bon, c'est réglé. Alléluia. Oui, frère. C'est mon fils qui est venu vous voir. Vous vous êtes vu aller te coiffer. Oui. Il ne veut plus venir à l'église. Quand je parle de l'église. C'est pas grave, c'est bon. Il est venu déjà, non? Oui, il est venu. Ah, mais c'est trop tard pour lui. Vous l'avez reçu, vous avez. Ah, c'est trop tard. Il y a la semence déjà en lui. Il n'aime pas venir. Non, t'inquiète pas. Le plus important, c'est pas qu'il vienne. Il est... Le Seigneur l'a déjà touché. T'inquiète, il ne faut pas le forcer, il faut laisser. Amen. Ouh, Seigneur, c'est magnifique. C'est magnifique ça. Qui veut prendre son baptême aujourd'hui? Qui veut prendre son baptême? Oh, mais il y a des gens qui veulent leur baptême, hein? Alléluia. Viens, ma soeur. Alléluia, gloire au Seigneur. Qui d'autre veut prendre son baptême? Amen, viens. Magnifique Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Venez. Magnifique Seigneur. C'est la première fois que tu viens? Qui t'a invité? Personne. Personne. Comment tu as su qu'il y avait cette réunion? Je suis sur... YouTube. Sur Internet? Waouh. Oh, Seigneur, merci. Ça va? Ah, magnifique Seigneur. Dis-moi, ça t'arrive de fumer? Oui. Oui? Tu veux arrêter la cigarette? Oui. Tu as ton paquet là avec toi? Oui. Tu peux l'amener? Dans la voiture, il n'y a pas de souci, va le chercher. Mm-hmm. S'il te plaît. Parce que le Seigneur m'a dit ça, de te dire de ramener ton paquet. Parce qu'il a vu ça dans la voiture. On acclame le Seigneur parce qu'il voit tout. Alléluia! Ça va mon grand? Comment tu vas? Waouh! C'est magnifique ça! Tu connais Pierre? Non. Non? Pierre, tu ne connais pas? Si, il est là. C'est un apôtre. C'est un apôtre, ouais. Tu vas être comme Pierre? Oui. Bah oui. C'est ce que le Seigneur me dit. Quand il avançait, le Seigneur disait, Pierre, tu vas prêcher la parole comme Pierre. Oh, alléluia, magnifique Seigneur. C'est magnifique. Alléluia. Tu as quel âge? 15 ans. 15 ans. Il veut prendre son baptême aussi. Sois là, sois. Il y en a qui sont convaincus qui ont... Tu veux dire quoi? C'était pas pour ça. C'est pourquoi? C'était pour mon genou. Pour ton genou? Ouais, comme je fais du basket. Tu fais du basket, c'est tué. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai des problèmes aux deux genoux. Tu as une copine? Non. Non, pas encore. Quel genou? Les deux. Les deux. Là, t'as mal, là? Quand on touche dessus, bah, ça me fait. Quand tu touches. Oh non, Yeshua, touche un peu, là. T'as mal? Un peu. Hein? Un peu. Touche encore. Hein? Ça va aller. Hein? Ça va aller. Ça va aller ou ça va? Ça va. T'as plus mal? Non. T'es sûr? Qui t'a guéri? Jésus. Ah ben c'est ça. Non seulement il t'a guéri là, tu as pris ton baptême déjà? Oui. Dans l'eau? Oui. Ah c'est magnifique ça. Et moi je prie que tu joues dans un grand club. Et au nom de Yeshua, et tu vas nourrir les orphelins, les veuves, tout ça là, au nom de Yeshua. C'est possible? Oui. Ah ben c'est réglé. Il y a des genoux tout neufs. Voilà. Parce qu'il grandit rapidement. Voilà pourquoi il y a ce problème-là. Mais pas de soucis. Voilà.
Bon, pour le baptême, ma soeur, Julie, tu peux l'amener? Je suis Julie pour le baptême. Merci Seigneur. Alléluia. Magnifique Seigneur. Oh, il est magnifique le Seigneur. Il est magnifique le Seigneur. Il est magnifique le Seigneur. Ça va toi? Alléluia. Le Seigneur a vu vos larmes. Il veut se révéler particulièrement à vous et répondre à vos besoins comme un père. Ça va aller. Amen. Waouh. Qui d'autre veut arrêter la cigarette? Le Seigneur veut l'aider. Oui. Je prends des nicotines. La nicotine? Depuis quand? Comprimé à la nicotine. Ok, pour arrêter la cigarette. J'ai arrêté depuis plusieurs jours. Je ne prends plus rien. Mais je ne dors pas. Je ne me sens pas bien. Parce que tu ne fumes pas, tu ne dors pas. Voilà. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'en décembre 2018, j'ai reçu une délivrance sur la schizophrénie ici. Et je n'ai pas réussi tout de suite à arrêter les médicaments. Pendant presque... Quand on prie pour les gens, ce sont les médecins qui disent « Maintenant, vous êtes guéri et vous pouvez arrêter. » Et là, le Seigneur, il se glorifie davantage. Amen. On va prier pour que vous arrêtiez. J'ai arrêté depuis quelques temps les médicaments. J'ai tout arrêté. Médicaments, cigarettes, j'ai tout arrêté parce que je veux plaire au Seigneur. Je veux marcher avec le Seigneur. Mais je suis combattue la nuit. Tu veux dormir normalement? Oui. Vous pensez que le Seigneur peut le faire, là? Sors! Au nom de Yeshua. Allez, tu sors d'elle. Fini. Fini. Ça va, mon grand? La cigarette. On acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, le Seigneur touche les gens. Ça va? Oh. Dis-moi, tu es baptisé? Oui. Dans l'eau? Oui. Ben, tu sais que toi, tu es un homme de Dieu. Un homme du Seigneur. On écrase ça, mon frère. Alléluia. Finis ça. Tu vas prêcher l'évangile, mon frère. Au nom de Yeshua. Oh, Seigneur, qu'il soit libéré de cette... dépendance. Il y a un démon là. Un démon. Vous voyez ça? Un démon familial. Sors de lui. Sors, démon. Julien, Laurent, aidez-moi. Chassez-moi ce démon là. Il y a un esprit là qui le. Un serpent qui le. Au niveau du cou là. Ça, à ce niveau là. Priez pour ça là. Ça va? Alléluia. La cigarette. On acclame le Seigneur. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Alléluia. Ma soeur, on écrase ça. Au nom de Yeshua. Fini la dépendance. Le cancer, tout ça là. Fini. Oh non, Yeshua, fumes-tu? Vous voyez ces images là qu'on montre là, tout ça, les gens ont le cancer à cause de la cigarette. Eh bien, le Seigneur peut vous libérer de la dépendance à la nicotine. Voilà. Oh, c'est magnifique. Oh, Seigneur, que ma soeur soit libérée. Que cette puissance démoniaque s'en aille. Maintenant, tu vas quitter sa vie, son âme. Maintenant, oh non, Yeshua. Le Seigneur veut servir de toi pour aider les orphelins, les veuves. Le Seigneur voit tes larmes, tes combats, tes difficultés. La souffrance, la déception. Tu as vu à quel point l'homme peut donner de belles paroles et ne pas le tenir. Et le Seigneur te dit, je te connais mieux que personne. Depuis le ventre de ta mère, je t'ai mis à part pour mon service. Et c'est lui qui t'a attiré ici. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pleuré, tu as versé beaucoup de larmes. Même parfois ta famille. Le Seigneur me dit de te dire, en sortant d'ici, il change complètement ton histoire. Et les gens ne vont plus te reconnaître au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh, alléluia. Oh, Jesus Christ. Oh, c'est magnifique. Alléluia. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Ah, oh, comment le Seigneur l'a transformé, mes amis, là. Oh, Jesus Christ. Alléluia. C'est magnifique. Elle commence déjà à briller, mes amis, là. Oh, nom de Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, le Seigneur l'a touché. Elle a commencé à venir au programme il n'y a pas longtemps, là. Et le Seigneur change ton histoire. Les gens ne vont plus te reconnaître. Tu te rends compte que tu es fiancé à Yeshua. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais cours prendre ton baptême là-bas. C'est fini, c'est réglé. Alléluia. Oh, deux paquets. Waouh. Alléluia. Ouh, Seigneur. Fini. Avec le Seigneur, les entreprises... Ces entreprises vont faire faillite. Hein?
Hein? Le secret, c'est ça. Yeshua. On dit, mais c'est du spectacle. Ce n'est pas du spectacle. C'est la réalité. Quand je contemple. Poubelle. Pour ne pas que quelqu'un le récupère à la fin. Alors, ma soeur, c'est quoi? Ça va? Je voudrais rendre témoin. Témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? On a presque fini. Le micro. Dodo, tu vas dormir comme un bébé. Oh, Yeshua. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vivais au Mans. Il y a encore jusqu'en septembre. Parce que je suis partie de là-bas parce que je vivais avec un homme qui me battait. Donc, il m'a battue pendant que j'étais enceinte de 5 mois de mon fils qui est né en septembre. Donc, je suis partie du Mans. J'étais dans des associations de femmes battues, étant encore au Mans. Mais c'est pas là-bas que je devais rester, en fait. Donc, du coup, j'ai une amie qui m'a proposé d'aller chez elle, ici en région parisienne. Mais sachant que je priais auparavant pour que Dieu puisse me guider, en fait, et m'emmener là où je pourrais suivre sa parole et là où je serais bien, et je voudrais être avec lui, en fait, parce que Dieu représente vraiment tout pour moi, en fait. Et donc, il y a cette amie qui m'a proposé d'aller habiter chez elle étant enceinte. Je suis allée chez elle et 2 semaines après, bon, on a décidé que je devais partir, que je devais aller au 115. Le 115 n'avait pas de place pour moi. Je me suis retrouvée dans une association qui s'appelle Léa, qui s'occupe des femmes battues. Et donc, j'avais fait ma demande de logement depuis juillet de cette année. Voilà, donc je suis allée dans cette association jusqu'à octobre. Là, en fait, on m'a proposé un logement. Et donc, un HLM en région parisienne, on sait comment ça met du temps, sachant que j'avais fait la demande uniquement depuis le mois de juillet. Donc, j'avais plié mes genoux, j'ai demandé à Dieu de me guider. Et c'est lui-même qui m'avait montré, en fait, que voilà, c'est là où je devais venir. Donc, je voudrais rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi, parce que j'ai eu un appartement avec mes enfants. Mon fils est né et j'ai 3 autres enfants. Voilà. Tu en as combien en tout? J'en ai 4 au total. 4. Les hommes, ils sont où? Avec un seul homme ou plusieurs? J'en ai eu 3 avec un seul homme. Et il ne s'en occupe pas? Non, du tout. Il est parti avec une autre femme, il me battait et voilà. Tu n'étais pas encore converti? J'étais converti. Enfin, en fait, quand je l'ai rencontré, je n'étais pas vraiment converti. D'accord. Mais je priais parce que j'étais déjà avec lui. J'espérais que Dieu. Je sais que j'aurais dû demander d'abord l'accord à Dieu avant de faire les choses. Mais j'espérais vraiment que Dieu puisse changer son cœur malgré qu'il me battait tout le temps. Je priais, mais Dieu me montrait toujours que ce n'était pas lui et qu'il fallait que je parte. Mais j'ai été têtue. Et à plusieurs reprises, Dieu m'a rappelé, mais j'étais têtue. Là, tu as compris. J'ai compris. Wow. J'ai compris. Qui n'a pas à manger aujourd'hui? Qui n'a rien à manger aujourd'hui? Levez la main, n'ayez pas honte. Oh, je sais qu'il y en a pas mal. Tu as mangé à la maison avec les enfants? Ça va. Ça va? Wow. 4 enfants. Qui sont ces hommes qui abandonnent leurs enfants comme ça? Déo, avec l'association Le Pain Quotidien, qui est mon prochain, on a la nourriture là-bas. Voilà. Donc, on va se voir avec Déo, l'équipe, là, pour de temps à autre, pour soutenir un peu, là. Voilà, merci. Que le Seigneur te garde. Voilà. Alors, on a fini. Merci à vous tous. Merci aux frères et sœurs de province. Il y a des frères et sœurs de la Guadeloupe qui sont arrivés pour le programme, non? Guadeloupe, Martinique, ils sont où? Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez vous lever pour que nous accueillions au nom de Yeshua, alléluia. Que le Seigneur soit béni, d'autres arrivent encore. Soyez les bienvenus. Guadeloupe, alléluia, magnifique Seigneur. Amen. Ça va, vous êtes arrivés quand? Mercredi. Vous êtes bien logés et tout, vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez chanter ce jour-là. Hein? Préparez. Loïc, il faut voir avec nos sœurs là pour les chants. Elles ont des grâces aussi par rapport au chant là. Alléluia, gloire au Seigneur. Soit, ne partez pas à la fin, on va se voir même vite fait. La Martinique, non? Les gens de la Martinique? Qui sont arrivés? Martinique, ben, que le Seigneur soit béni, gloire au Seigneur. Et Haïti, ils n'ont pas encore arrivé. Congo Brazza, pas encore. Alors, on attend tout ce monde-là. Hein? Congo Brazza, mardi. Donc, les avions ne font qu'atterrir. Malgré la grève, ça atterrit. Il y aura le transport ce jour-là. Au nom de... On a pris deux bus. Alors, les frères et sœurs qui ont des véhicules, qui veulent le mettre à la disposition des frères et sœurs pour aller les chercher.
On se voit quand? Vous avez déjà tout organisé. Donc, on va s'organiser encore. On va faire des annonces sur TV de vie ou sur Vivre Évangile ou encore sur d'autres chaînes pour que vous ayez toutes les informations. En tout cas, le 27, on est là à partir de quelle heure? C'est à 17h que ça commence. Bon, vous êtes libre. Hein? Voilà. Donc, si vous avez des chants, qui veulent proposer des chants ce jour-là? Donc, il n'y avait pas de souci si vous devez chanter avec vos belles voix, avec vos voix cassées. Il n'y a pas de souci. Amen. Donc, c'est votre journée, votre soirée. Il n'y a pas de star ce jour-là, à part Yehoshua. Vous avez un cantique? Venez nous proposer ce cantique-là pour qu'on chante tous ensemble pour la gloire de... Allez, bonne soirée. Que notre Elohim vous accompagne. On a dit Yeshua, alléluia. Oui. Attendez deux secondes. Tu veux dire devant tout le monde? Non, en privé, ok. Loué, loué, gloire à Yeshua, péché, moins effacé. On y va!